Je ne m'en lasserai jamais. J'adore cet extrait. À chaque début de game, je l'adore. À chaque début de game, je le vois et à chaque début de game, je suis obligé d'être devant à le regarder tellement je l'aime. On a 20% d'histoire, déjà. On n'a que joué que 5 heures. Donc on était arrivé au temple bourreau la dernière fois. Catacombs below. I must learn more what happened. Donc c'est ça les compétences du donjon. Then below is where we will go. The temple protects its secrets from outsiders. There will be trials to overcome. Are you certain you wish to continue? With our combined might, no challenge is too great. Let's just get on with it. You are both headstrong. It is quite entertaining to watch. Y a quoi ici? Bah, du coup, on a l'entrée du temple. Tread carefully. Only Brom can be surprisingly light on his feet. Maybe we are doomed. On est foutu. Faut juste que je regarde mon inventaire. Non, pas mon inventaire. Compétences, parce que du coup j'ai pas fait gaffe. Non, donjon. Érudite Borou. Bien sûr. Pour activer des mécanismes, d'accord. Les prophètes Nagas. Pile de français écrit en langue noxienne. D'accord. Eh hey, merde, j'ai pas vu les trappes par terre. Le mot soleil, d'accord. Donc ici on a un deuxième écrit. C'est un apprentissage continu qui te permet de grandir. D'accord. Ici on a un marteau. Vous avez besoin de puissance pour l'utiliser, Brom. Qui pourrait avoir cette puissance pour l'utiliser? Non. D'accord. C'est par des moyens conventionnels. Brom. J'avais acheté ou pas la canne à pêche finalement?
J'avais acheté ou pas? Si j'ai acheté la canne à pêche, c'est jackpot. Vous devez vous équiper d'une canne à pêche et d'un appât pour pêcher. Inventaire. J'ai pas la canne à pêche. Ok, autant pour moi. J'avais espéré. Parce que je vais sûrement me mettre à faire de la pêche sur ce jeu. Ok, j'ai un écrin à récupérer ici. Nice. Y'a quoi par ici? Je peux pas zoomer? Je peux pas envoyer de mini poro? Je sais pas quoi faire en fait avec tout ça. Besoin de la lumière du sommeil pour fonctionner. C'est parti. Oh merde. More to the blade. Non, c'est parce que je voulais. Ah voilà, c'est bon. Fallait juste lire le truc dessus. Le goinfre augmente la hâte de 30%, immunisé contre les étourdissements. D'accord. L'heure est claire. HP, ça fait mal quand même. Potentiel de soi. On va y aller un coup de brome. You deserve this. Il a attaqué deux fois là, d'accord. On met un shield. Il a eu. Plus. Knock him down.
Compétence de voix, envahit tout le monde. J'aime pas ça là. Tout le monde manque de PV quasiment. Après ça va qu'il a où il fait récupérer tout le monde, mais c'est horrible. L'apocalypse. T'as un point de mana. Ah là là, j'adore ce jeu. 140. Oh, toujours pas passé niveau 10, bro. Ok, là je vais choper le coffre du coup. Pas passé. Ah non, qu'est-ce que je dois faire là? Cette pierre est inerte, elle a besoin de la lumière du soleil pour fonctionner. J'ai besoin de Harry? Non. Seule chose que je peux faire, c'est continuer d'avancer. Whisper on the wind. Buru's spirits should not linger. I fear something wicked has taken root here. Ah, il y a un truc en dessous là.
Aussi sûrement que la lune affecte les océans et que le soleil affecte les courants, les deux sphères célestes sont liées et la marée à jamais peut continuer. D'accord, donc il faut que je trouve les deux pierres de la zone. Qu'on va, c'est qu'on va retourner au début du donjon parce qu'il y a une zone que, il y a des zones que j'ai pas pu faire. C'est quoi ça? Très. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va mettre un petit A. On va inspecter. Dégâts physiques et soigne un allié. Rend un petit nombre de PV à tous les alliés et purge tous les effets néfastes qui les affectent. Dernier soupir, rend des PV. Un truc. Les attaques, à l'exception de celles effectuées sur voie de la célérité, ont 15% de chance de rater. Ok, c'est un effet qui se retire. On va attaquer lui en premier. Ok, c'est pas mal. Hurlement spectral. On va faire que Brombait. Et il va shield aussi. La purge, ok. Ok, parfait, double buff. Voie de la célérité. Voilà, c'est une attaque instante. 127 HP, un bon crit. Double crit, c'est parfait ça. Un crit? Dommage, s'il avait mis un crit, ça aurait été jackpot. Boum, le shield. Allez. You know you lose. It is looking bad for you. I am the avalanche. J'adore les bruits des ponts. C'est tellement fort. Tellement fort. Croc brisé de lican. Et de la poudre de saphite. Et bon, Brom est passé niveau 10, j'ai pas fait eu. J'ai pas fait gaffe. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tab. On va aller dans compétences et on va... J'ai un allumettre. Survoltage de rang 1. Et le niveau rune. J'ai des runes pour tous là. Ok. Efficacité des soins des boucliers, ça peut être bien. Chance de coup critique, ça peut être bien sur Yasuo. Efficacité des soins. Endurance, vol de vie. Le vol de vie peut être bien. Le temps que j'ai de quoi en fait mettre ici. C'est qu'on va retourner tout simplement au truc avant. Je suis quasiment sûr que cette zone là c'est pour Pike si jamais un jour je reviens avec. Ouch, ouch. Boum.
bombe. J'ai raté. Allez, Brom. Est-ce qu'on va réduire ses dégâts? Et maintenant, sur Yasuo, on va leur faire une petite, un cercle tranchant en célérité. Donc là, les deux ont perdu leur pouvoir d'esquive. Bombe. Reste derrière, Brom. 97 points de dégâts, c'est pas mal, hein. C'est plutôt beaucoup. Tempête d'acier. Ok. Ce que je vois, c'est que je vais claquer un outil d'Eloi pour heal, du coup, et on va attaquer celui-ci. Broom! Broom full. Il est pas full heal quand même. Hein. Tour supplémentaire encore. Maintenant, hop, défendre. 40% de dégâts en moins. Ok. Ok, ce que je vais faire avec Eloi, c'est que je vais claquer une auto. Parfait. Allez, c'est quoi ça? Jamais vu eux. Moignol du Kraken. Augmente 35% de chance d'esquive contre toutes les attaques ne venant pas de la voie de la puissance. C'est parfait ça, Yasuo. Il a encore un... Je suis dans la merde. Parfait, les deux ont perdu leur pouvoir. Avec l'ultipress, ce que je vais faire, c'est que là je vais claquer avec Yasuo ma tornade. Parfait, le coup critique il donne du shield. Et je peux claquer une tornade gratuite. Hein. Won't be long now. Attends, quoi? Ah oui, non, c'est Yasuo qui va les attaquer. Parfait, j'ai encore retouche au coup critique. Parfait. Je pense que je vais claquer bouclier pour tous. Hop là. Là, j'ai assez de tentacules sur Eloi pour heal Brom full life quasiment. Et on va reclaquer une tornade encore. Shield pour tous. Ok. Meurs pas, Brom, hein. Tu meurs pas. Il va mourir. Merde! Tu peux ramener à la vie ou pas? Non, ça ramène pas à la vie.
Parfait. Comme ça on va heal Brom. Hop là, et là on va faire en fait ce que Illaoi heal Brom. Le shield qui, le critique qui m'a mis était parfait pour moi. De bouclier. J'ai quand même eu un mort hein, cette game. Par contre, le nombre de points que ça rapporte, c'est impressionnant. C'est pas par là. D'accord, je peux me diriger par là. Donc là-bas, c'est Solarium. On ira après. Bouclier. C'est parti. Ok, donc lui, il la dernière personne. Lui, il a besoin d'une attaque de voie de la puissance. Et lui, c'est attaque de voie de la vitesse. On va s'occuper de lui avant qu'il heal. D'accord, ici il y a plus d'HP qui fait de dégâts. Ça, on s'en fout de ce qu'on touche en vérité. C'est parti. Donc là. Ok, il vaut mieux que je fasse des attaques que les autres d'ici. Ok, on va faire ça. Là maintenant ça va être au tour de Brom. Donc bouclier, bouclier, c'est parfait. Ah non, les trois ils ont... Oh merde. Parfait. C'est parfait. Moi, ce que je vais faire avec les choses, c'est que je vais claquer. Voix de la puissance. Voix de la célérité, c'est parti. Parfait, il a chopé un shield. No more Mr. Nice Bro. Aucune limite à mes boucliers.
Lui, il a perdu sa posture. Maintenant, lui, il manque plus qu'à lui retirer la sienne. Parfait. Dissipation. Parfait. Ok, maintenant, Yasuo. On va tuer au plus vite celui-ci. Ok, bon, on n'a plus de shield, c'est pas bon ça. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'avec Illaoi, je vais sûrement essayer de heal. Dommage qu'il n'y ait pas un critique qui soit parti. Oh non, je l'ai mis sur qui le heal? Non, même pas que j'ai mis le heal sur Illaoi alors qu'il en a pas besoin. Ce jeu est mal foutu. C'est pas grave, on va claquer l'ulti d'Illaoi. Là, c'est Yasuo qui va jouer. Ok, parfait, on va claquer l'ulti pour regen Brom. Je suis dans la merde là, en fait, j'ai enchaîné la caca. Ok, parfait. On va faire ça. Et là, avec Illaoi, mon but c'est de réinvoquer des tentacules pour re-heal Brom à nouveau avec mon ulti. Ok, parfait. Voilà, Brom va se prendre pas mal de heal là. Oh là là. Waouh! Oh, tous les dégâts qu'il a mis! Et il réattaque en plus! GG! Illaoi! Oh! Ah, 10 points d'HP! Enfin, 10 points d'XP! Oh, j'ai touché? Oh merde! Faut que je lance par lui. Le healer.
125. Oh là là, le crit. On commence sur un crit déjà. Parfait. Il est déjà mort quasiment le gars. Il va se heal mais il est déjà mort. Ouch. Ouch. Ok, parfait, bien sûr. Ils ont pas de stance. Pas de stance, parfait. Ok, super. Le heal, maintenant Yasuo va attaque. C'est pas ce que je voulais en vrai. On va faire une attaque de voix. En célérité. Brome. Knock him down. Ok. Ok. Et là oui. Ça fait déjà 40 minutes qu'on a commencé, je suis toujours pas sorti du donjon. Là Yasuo va, il a mort. Enfin il va le hit à mort. Brome. On va le faire tanker. Là il va attaquer. Stay behind Brome. Là, il y a ce bataillé. 2, 3, 4. C'est bon ça. Là je pourrais le finir direct avec Yasuo. Brome. Brome la tankinesse, hein, comme toujours. J'aime beaucoup. Au niveau XP, ça devrait être pas mal là. Il a 8 niveaux, c'est pour ça. 1 point et brune médicinale niveau 2, et ça c'est bon. Parce que c'est la c'est une des compétences que je préfère celui-là, oui. Et qu'on permette de l'améliorer. 3 tours, c'est pas mal. Sur la voie de la sérénité, purge un effet néfaste pour chaque allié. Ça devient worse en vrai. On va faire une réduction de dégâts pour le moment. Bon, on va récupérer les pierres de soleil. Puzzle.
C'était vraiment très complexe. C'était vraiment très compliqué. C'est faux. Oh. Intéressant, je peux activer des trucs avec le disque solaire. Ah! Je sais déjà ce que je dois faire. Y'a pas un truc par ici juste? Ah, ici avant y'en avait un. Avant y'avait un passage dans le mur. Ah non. Je pensais que je pourrais le sidestep, mais non. Ok, il y a un secret dans le mur à droite, c'est pour ça. Faut que je le fasse. Tout à l'heure, j'ai cassé le mur avec Brom. Mais là, vu que le disque ici il est cassé, faut que j'utilise celui-ci. Vous avez appris de nouveaux enchantements à cette station. Pardon ? Enchantement. Oh, j'avais jamais fait attention à ça, c'est vrai. Voulez-vous voir un directicien sur situation de ce menu? Vas-y. L'enchantement d'objets permet de leur ajouter des effets bénéfiques spéciaux qui vous donnent un avantage au combat. Une fois cette recette d'enchantement connue, elle apparaît dans cette grille. Les enchantements peuvent s'appliquer aux armes et aux armures. Vous pouvez également infuser des objets afin d'augmenter leur rareté et leur statistique de base. Après avoir sélectionné un enchantement ou une infusion, vous devez préciser à quelle arme ou armure de votre inventaire vous voulez l'appliquer. Chance de succès. Colosse. Ah là j'ai ce qu'il faut. Non j'ai pas ce qu'il faut, il manque de la neurotoxine. Ça j'ai, Zephyr. Puissance, augmente la puissance d'attaque de 32. Sélectionner la recette. Et par exemple si je prends... Sur Yasuo d'ailleurs, attendez. On monte la valeur d'attaque de 32. Et si je tentais de mettre ça plus haut? Est-ce que je peux faire un 200% de chance de succès? Ça fait quoi? Au lieu de 32. D'accord, donc j'ai augmenté, j'ai de la violence du truc du coup. D'accord. Et du coup, faut que j'aille voir ce que ça me fait du coup. D'accord. À mon avis, c'est pour la pièce derrière. Ah oh. On va claquer une potion de groupe. Hein.
Non, c'est pas mal. Hein. Voilà, c'était bien par là du coup. Nice. Flamme sauvage. On va regarder deux secondes. Inventaire. Flamme sauvage. Sur qui ce sera le plus intéressant ça? Et ça. Puissance d'attaque plus 36 sur Yasuo. Vu que c'est mon attaquant. Endurance, ça enlève un peu de la défense, donc ça m'intéresse. Moi aussi c'est sur Brown. On va rester comme ça. C'est ce qui est intéressant, c'est que ces pierres du soleil, on les voyait dans... On les voyait, enfin on les voyait pas, mais on voyait plutôt un liquide de... fait à partir de ça, je crois. Sur les îles, sur le Legend of Runeterra, quand les bourreaux en fait. J'en sais pas la prio, je crois. Yes, j'ai eu la prio. C'est ça que je voulais, mais c'est pas grave. Attendez quoi? Attendez, ça je m'appelle plus. Ils ont des effets ou pas? Il a dû la hâte à la mort, augmente la puissance d'attaque plus d'alliés. D'accord. Je vais le tuer avant qu'il aura le temps de m'attaquer, je pense. Ok, eux il faut une transfert d'essence et lui faut que je le fasse une attaque puissante, je pense. Ok, parfait. Tempest builds. Always show me the way. Glad I step around. Il tank un peu. Super, je vais m'en débarrasser d'un. On défend. Donc là, il vient de lancer son attaque, il va charger une attaque lui, ça veut dire. Peut-être. Qu'est-ce que je peux faire? On va faire un clear. On va faire ça. Et là, Yasuo, il va claquer un petit vent violent sur celui-ci.
You have me. Le moment qu'il a eu puisse lancer son attaque là. Il va pas mourir, je pense. Ah, c'est. Wow, c'est 58. This is destiny. Ouf. Nice. Et il y a ceux qui montent de niveau, donc il y a ceux qui vont pouvoir débloquer un point de compétence. Compétence, Yasuo. Ça c'était quoi? Mon passif. Pas terrible. Chaque effet d'impulsion augmente les PV du bouclier de 6. Bof. Génère 5 points de survoltage. Pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est pas mal. Ok, donc ici j'ai un écrit. Il y a un truc en bas là? Ah d'accord, ça mène à cette zone là, d'accord. Je vais juste prendre le coffre. Même si je sens que c'est. Ah, j'allais dire c'est un mimique, mais en fait non. Anneau de Doran. On va regarder ce que fait l'anneau de Doran. Ce que fait cet anneau de Doran. Puis en attaque. Ça peut être un peu pas mal. Hein. Il va y avoir des ennemis ici. Ça, c'est un ennemi. Non, c'est pas un ennemi. Broche du serviteur. Tout ça, j'ai obtenu. Broche du serviteur, il me la faut. Faut que je vois c'est quoi. Oh là là! Oh là là! Beaucoup d'effets bénéfiques, hein. Je vais mettre ça sur Brome, parce que plus de temps qu'il est sur Brome, ça peut faire que du bien. C'est parti. Tortue hydro spectrale. Aura de paresse. Ok, il faut une attaque de puissance et une attaque de célérité. C'est parti. Commotion, c'est parfait. Il est résistant seul, je suppose. Immunisé contre les étourdissements.
Staying behind, Broom! Ok, c'est parti. Ils ont l'air d'augmenter, ça va contrer la paresse. Là, ce qu'il me faudrait, c'est une attaque rapide. Une attaque en célérité. On verra ça, après le son. Oh, trois attaques. Parfait, là il vient de perdre sa truc. Si je le finis pas sur cette attaque, j'aurai Yasuo qui sera full life. Yasuo full life quand même déjà en fait. Je l'ai pas fini dessus, c'est un peu dommage. Il a Shredder ? Broyage. 5% par effet cumulé. Bah tu sais quoi ? Et là oui, on va cleanse. On va le finir avec l'attaque de Yasuo. Il vient de perdre son malus. Ça fait des dégâts, ça. Bonk. No horny. On heal tout le monde avant que ce soit la fin et on le finit. Ah, Broom! Ah, rien du tout, à chaque fois. Ah, il y a de l'eau. Il ne faut pas aigre pour ça. Oh. Ça va couper l'eau. Ah, Zarnier. Pas d'effet bénéfique. Pas d'effet bénéfique, c'est parti. Toile.
Allez, tour de Brom, il va se renforcer à nouveau. Maintenant, il a oui et on va heal. On va pas heal. On va claquer du tenta. De quoi full Iliasio. Ah d'accord, en fait il a full crit. Allez. Toxine d'arachnide. Oh, j'en avais un pour mes enchantements. Point de compétence en plus et saut héroïque niveau 2. On va regarder les compétences. Brom. On va prendre les dégâts supplémentaires du shield. Il est vers où le... Ah, le cloître linéaire est là-haut. Faut que j'y parle. D'accord, donc faut activer des glyphes. Oh shit, des ennemis. Ok. Célérité. Attends une seconde, je fais juste un petit truc. Hop. Et hop. Voilà, désolé, je fais juste un petit truc. C'est pour ça que le je vais freeze. Scission magique, c'est pas bon ça. Donc là c'est Toki. Il a oui. Parfait. Stay behind, Brom.
Pardon, je me suis pas touché, c'est celle-là que je voulais utiliser. C'est bon ça. Ok, là ce que je fais, c'est que je vais tout simplement utiliser une compétence de voix. On va partir sur le cercle tranchant ici. On va le mettre ici. On va toucher ces deux-là, comme ça j'enlève leurs deux compétences. Parfait. Dès qu'augmenté, j'aime pas ça. Avec Ilaoui, ce que je vais faire, c'est que je vais... Qu'est-ce que je peux faire qui serait intéressant? Avec Yasuo, je peux rien faire actuellement. Qui soit réellement intéressant. You know nothing of strength. Là, ce qu'on va faire avec Broom, c'est qu'on va invoquer le bouclier du Poro. Non, même pas. On va invoquer Shield de base. D'acier tempête armée, je sais même pas c'est quoi tous ces passifs qu'il a, Yasuo. Donc on va sacrer, s'attaquer au prêtre vu qu'il peut heal. Ok. Brom, il faut que tu chill. Claquer un âpre leçon. Et Yasuo, ici, il va claquer une tornade. The blade does not discriminate. Là c'est encore autour de Yasuo. On va leur refaire faire une attaque comme ça. Staying behind, Broom. This reminds me of a story. It's nice. Très très bon ça. Je suis très content. Très très content. Niveau 11 déjà.
Ah. Je peux le contrôler? Ah, oh, je voulais contrôler un poro. Oh, à notre défenseur et canne à pêche d'acier. Yes. On va pouvoir tester la pêche sur ce jeu. Équipement, non. Inventaire. On va le mettre sur Brome parce que j'ai besoin de plus de tankiness sur Brome. Et on va mettre la note pierre sur Eloy ici. Qu'est-ce que j'ai? Pas intéressant. J'ai rien ici. Et bah c'est pas mal. Et en plus on a trouvé une canne à pêche, on va pouvoir aller pêcher un peu. Ok, on va éviter ça à tout prix. Ici du coup on a l'autre le dernier glyphe. Donc là il y a un truc derrière, c'est ça? Oh, la pierre. Le coffre d'abord. Anneau de l'oracle. Holy fuck! Lessons. Appuie pour moi maintenant. Pas d'effet bénéfique. Immunisé contre les étourdissements, pas d'effet bénéfique. Ok, je sais déjà quels ont les effets de toile. Voix d'étoile. La voix d'étoile a été appliquée sur l'équilibre. Type d'Alain ne déplace pas la jauge d'initiative. Tout combattant qui effectue une compétence sur la voix des voix sera de l'équilibre sera ralenti. Par l'effet néfaste entoilé. Sur la question, je vais commencer par spammer les auto-attaques. Ok, elle invoque à volonté. Ok, va falloir que je focus directement la mer.
2, 3. Seulement 3 attaques, j'en ai marre. Non, c'est bon, ça y est, le brome, c'est bon, j'ai peur pendant une seconde. 68, ok. Bien sûr. Ok. Ok, j'ai peut-être quelque chose qui peut le faire là. Ok, maintenant je vais claquer l'ulti de Yasuo. Oh, le critique. Ok, Brom qui est full, c'est parfait ça. Le shield pour tous. Et là ce que je vais faire maintenant c'est qu'avec Illaoi. J'ai combien de tentacules? J'en ai 3. J'ai un après le saut ou pas? J'ai... Ok, on va claquer une normale. Bien sûr, va tuer tout le monde là. Oh, il a tué. Il a failli quand même. Critique donc shield. Et avec du coup, Illaoi, ce que je fais, c'est que je vais le heal. La voie de la célérité. Ok, il perd plus de PV. La game est win. You know nothing of strength. J'ai pas une AE sans claquer de mana. Non, on va claquer l'ulti. Dague d'enclé en plus. On a tué la mère. La mère patrie. Et voilà, le boss est vaincu. Bon, ça soit d'araignée ou et de neurotoxine d'arachnide. En tout cas, ça fait plaisir, mais dans le cas où ce genre de combat revient de nulle part. Allez. On va retourner au truc de pêche parce que j'ai bien envie d'aller faire une petite partie de pêche. J'ai envie d'essayer.
Temple bourreau. Non. Table. Inventaire. Elle ouvre ma canne à pêche. Je sais que j'ai une canne à pêche. Pêche. Oui, vas-y. J'ai pas compris. Grenouille de la flamme bleue. 19,7 kilos. Nice, vino de la flamme bleue. Nice. Bon, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va... On va juste inventer un coup, pêche. On va changer l'appât. Pour mettre le verre goûteux à la place. Meilleur maintien, meilleure attraction, il a meilleur, mieux de tout. Nice. Un calmar. Oh, des îles serpents. Des îles aux serpents. Aussi féroces que le kraken. Faut faire gaffe parce que je serais capable de passer des heures à faire ça en fait. Attention, un guppy. Nice, barre de la flamme bleue. En fait, j'obtiens que des poissons différents pour l'instant, donc c'est vraiment cool. Je suis désolé, hein, j'adore la pêche, donc... En plus, c'est tellement chill. C'est comme du Booba Basement sur, sur Dead by. Un poisson chat à longue moustache. Waouh. Je dis pas que ça c'était le, la santé de mon truc.
Belle prise, nice. Un guppy. Il n'y a pas de force lui. C'est un calmar. 26 kilos de nouveau record, nice. J'ai envie d'aller au fond voir s'il n'y a pas des gros poissons monstres ou monstres au fond. Guppy. Ah, il a fini par venir. Une grenouille. Et ensuite, il n'y a plus rien du coup ici. On va regarder juste l'inventaire deux secondes. Non, il n'y a plus de poisson. On va regarder l'inventaire de secondes pour voir j'ai combien à peu près maintenant en poisson. Pêche. Ok. Dernière prise. Consultation. Oh, il y en a des trucs à choper quand même. Ça, c'est que les trucs de base du coup. J'ai pas attrapé de grosses méduses ou de monstres marins quoi. Oh là là. Il y a un peu de spell du coup, mais bon, c'est pas grave. Des trésors. Plein de morceaux de poisson. D'accord. Il va y avoir du grind pour les marques noires. Ici, il y a un truc d'enchantement que j'ai déjà pris. Ici, je peux pas le prendre, le truc, ça me saoule un peu. On va remonter. On va remonter parce qu'en plus, on a un feu de camp juste avant la suite. Et j'ai à tout prix envie d'aller voir. Je veux une conversation et je veux une sauvegarde. Donc si j'obtiens tout ce que je veux, je serai content. Allez. Si c'est une conversation, oui. Another vision? No, just meditation. As truth bearer, I am deeply connected to Nagakaporos. Her will is my will. And I embrace the motion of my destiny. But my duties can be overwhelming. Sometimes a moment's rest is all I need. Then perhaps a story is in order. Has Brom told you of the time he battled the fire-breathing drake deep below the Winterspike Mountains? Its fire bore through the frost, carving great rivers in the ice. Do you have a story for every occasion? What can I say? Brom has had many adventures. Go on then. I'm listening. It happened during the year-long blizzard. Brom had just diverted an avalanche away from a small fishing village. J'adore Brom. On va sauvegarder ici du coup. Voir si je peux pas rechoper en plus une petite conversation. Non, il n'y en a pas. Donc ici on a un écrit. Ah, et merde, je voulais aller à droite. You dare
set foot in my temple? This temple belongs to the Great Mother Serpent, and no other. Leave or be removed. Ha! Your goddess abandoned this place. You should have done the same. Now I will repay your insolence with terrible cruelty. Des mécaniques plus avancées. D'accord, va falloir que je focus les petites... Fois galvanisante. Ah mince, j'ai claqué fois et ne le claqué l'autre. Merde, je me suis bourré de compétences. Il prend des dégâts, mais très peu. Ok, il va falloir que je lui vole ses effets, enfin, il va falloir que je les tue plus vite. Ah, bro! Aïe aïe aïe, je suis une galère. Ok, ça va le faire là.
Non? J'ai pas eu le brome. J'ai pas eu le brome, c'est de la merde ce truc. Elle va tuer ces deux trucs là. Tant pis pour la mana. Please, te fais pas down. Si je le one shot, c'est jackpot. C'est pas mal si je le one shot, sinon c'est le caca là. Yes! Even Bron gets winded. Parfait. Ah, un HP! Il meurt là. Deux tentacules, 10 de trucs, c'est pas mal. Allez, réinvoque tes unités. Ce boss est plus dur que je m'y attendais. Elle a pas invoqué ses unités, c'est parfait. C'est-à-dire que là, il a où il va pouvoir claquer un heal. Non, on va faire un cinglement. Ok, là, on a réinvoqué deux, c'est parfait. Parfait, dès qu'il a où il va attaquer, elle va heal. Allez, fouille le brome. Personne, aucun type. 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon ça. Super, j'ai une attaque gratuite. Ok, je vais pas la claquer. Dommage, si je mets un crit, il mourrait. Je peux pas le tuer, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va heal. Brome. Ouais, on va lui. NON! Ça a pas cliqué sur Brome.
C'est mal foutu. Le système de sélection est mal foutu. Yasuo ? Ok. Ok, ce que je vois, c'est que je vais faire une tempête d'os. Non, allez, on va juste claquer une attaque normale sur lui. Et là, ça me le met le critique. J'en ai marre. Ok. Je sais ce que je vais faire. On va faire prendre la relève sur Illaoi. Pendant sur la brume, lui va claquer son ulti. Non, pas d'ulti. Yasuo, on va juste one shot. Non. On va attendre l'ulti d'Illaoi pour heal Braum. Là, je vais juste aller buter ce gars-là avec. On va claquer une barrière vu qu'elle va continuer de tanker. Parfait. Tant pis, je vais claquer le Tiesso. Je vais voir combien de dégâts je peux lui faire. Cent points de dégâts, c'est déjà ça. Commotion ? Pas de commotion possible sur elle. Invocation. Il y a le troisième coup. Ok. Braum. Dès que c'est au tour de Braum, je vais claquer une super potion pour le remettre full lay. Je claque pas de potion, j'aime pas claquer de potion, mais là je suis obligé. Ok, potion. Ok, 243 PV, ça rend pas de PV, les potions ça sert à rien. En tout cas, ça sera tout après, donc... Elle va mourir. Sauf si lui il claque une fois galvanisant. Ou meurt. Il meurt pas. Donc il va attaquer Illaoi, et je vais la perdre là-dessus. Galvanisante. Ok, parfait. Faut que Braum y tank. Ready to face the goddess.
Ils se prennent des effets de foie galvanisants, c'est pas bon ça. Elle va les absorber. Ah, je perds la game là-dessus. Je peux pas lui retirer ses effets de galvanisante. Parfait, ça va laisser le temps d'huile en vrai. Faut que je recommence ce combat, je l'ai perdu. Allez, si j'arrive à tuer ce mode, c'est bon, ça ira un peu mieux. Attendez, je comprends pas. Oh non, j'avais pas compris ça en fait. Et lui, il leur faut des effets néfastes aux ennemis, mais j'ai pas d'effets néfastes. À part Brom peut-être. Voilà une commotion, c'est tout ce que je peux mettre. Dur ce boss fight, il est vraiment dur. Pourquoi j'ai pas de potion de res, de résurrection? On va fuir. Faut que je recommence le combat. J'ai perdu. Je peux rien faire. D'accord. Si ça est le Brom, c'est jackpot. Sinon, j'ai perdu. Mais ça va paraître Brom, soyons réalistes. Non, ça est Lilaoi. Ouais, c'était ça tout à l'heure qui avait infligé des dégâts. C'était le fait qu'il ait l'effet négatif. Un peu relou parce que le boss est vraiment plus fort que je m'y attendais, j'avais pas bien compris comment il fonctionnait.
dare set foot. This temple belongs. Your god. Allez. Cette fois, on sait comment faire. On va claquer du faux haine avec Yasuo. Un coup de poing pour l'effet commotion. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller avec. On va faire ça. Ah! Lui, il faut que je le tue maintenant. Pas de coup critique, c'est un peu dommage. Ok, là on a réinvoqué un, ça c'est bon. Parfait, lui il va bouffer des effets commotion si je le tue à temps. Non, on absorbe pas! J'ai perdu. J'ai déjà perdu. Je viens de commencer, j'ai déjà perdu. J'ai déjà perdu. J'en ai marre. Je peux pas en fait. Je peux pas battre ce boss. Allez, on va la faire tanker encore un coup. Brom! Brom! Ok. On va peut-être claquer le team de Yasuo. Histoire d'être sûr de tuer celui-ci avant qu'il... Ok, parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que le temps qu'elle en ravoque un, je vais claquer ça. Non, même pas, je vais donner un shield à tous mes alliés.
Allez, Foen. Non, c'est pas elle! J'avais sélectionné lui. Et c'est pas grave, on a perdu. Encore. Le but c'est juste de leur mettre l'effet négatif. C'est bon ça, tous. Ah, ils ont pas les. Ça met pas d'effet négatif, d'accord. C'est de la merde. Yes, you. On va tuer celui-ci. J'aurais dû tuer celui-ci avant qu'il ait les... elle va l'absorber. Non, c'est bon, elle a pas eu le temps. Ok, parfait. Tout le monde aura le temps d'attaquer avant. On va recharger. Allez, parfait. Brome. Brome attaque mêlée. Pourquoi elle rattaque? You are not ready. Ok. Ok, vas-y, mettez des fois galvanisante, on va voir un peu. Est-ce que j'ai peu... Foen ? J'attaquerai pas avant lui. Je vais être obligé de claquer ici. On va faire ça. Non, pas une attaque ultime. Il meurt pas? Pas encore. Oh, c'est parfait. Elle va sûrement en absorber un, donc autant qu'elle absorbe celui-ci. Celui-ci, il a tellement d'effets négatifs là. Pardon. Ok. Là on va attaquer la question, on va mettre un Foen sur celui d'en haut. Allez, encore de la commotion et du Foen. Oui. Ultime poro. Purge. J'avais pas besoin de la purge, mais au moins le shield et le truc ça va retarder juste assez. Oh non, elle va en absorber un. J'ai pas de quoi en tuer un. Non! Elle les a pas absorbés, qu'est-ce que c'est bon?
c'est Yasuo qui m'a carré. Mais aussi les commotions de Brome. Waouh, qu'est-ce que j'ai obtenu? Couronne de bronze fendue. Superbe couronne porte autrefois. Peut-être échangée contre 6 marques noires. Au col protecteur. Waouh. J'aurais dû retourner faire des mobs comme ça, j'aurais pu passer là où niveau 12 avant de. Épreuve de l'esprit. En sens de cas, il provoque tous les tentacules. À chaque tour, il provoque tous les tentacules. Les champions qui attaquent la cible récupèrent 21 PV à chaque coup, j'aurais dû prendre ça. Ancestor, tell me, what has happened here? Zaktan, the false one, corrupted this temple. Her defeat has given us clarity. But it was not she who disturbed our slumber. Ah, GP. It was a man. Look and see him. He knew our Boohoo ways. He took the heart of this temple. Gangplank, why would he steal from the temple? After the temple was breached, our spirits gathered. The false one seized the advantage, preying on our confusion and drawing many to her side. Rest now, ancestor. Yes. Thanks to you, we will return to the Mother Serpent's heart. But heed my warning. We sense a great harrowing to come. Trust in the Mother Serpent. Only she can push back the mist. Who is this man? Gangplank. He was... an old friend, the former Riva King of Bilgewater. Sarah Fortune fought him for control of the city. She believed he was dead. I did not expect to find him here. And if he brought back the Black Mist to Grey Harbor, has allied himself with the Shadow Isles, I fear for dark days to come. Sounds to me like we've got a shared interest in the Shadow Isles. What's our next step? Go on ahead. I need a moment to pray here. Goddess, how can this be? Why would Gangplank do this? Truth-bearer, your unease pulls me from the Mother Serpent's heart. Why do you struggle? I fear I have brought a great darkness upon Bilgewater. Gangplank, why does this man bring you such dread? Once I had loved him. He lived among my people, embraced our way of life. That was many years ago. Still, as I watched his ship burn, some part of me mourned. The Buru found him, barely alive, and brought him to me. He begged the Buru to help him take back Bilgewater. But my goddess believes mortals must fight for their own desires. He was only a sad shell of the man I once knew. So desperate, so weak. I tested him, sure that he would fail. The Mother Serpent wins. Not always clear. The goddess found him worthy. She must have seen something in him that I could not. I gave him what he wanted, sent him on his way to chase his destiny.
truth bearer. The Mother Serpent guides you. Do not stray from your path, and all will be right. I must tell Sarah that Gangplank is alive. But for the sake of peace in Bilgewater, she cannot know the whole truth. Not yet. I hope I am making the right. Wow! C'est violent. J'aime beaucoup. Waouh. Ce temple m'en aura fait chier. Hein. M'en aura fait baver. Soin, parfait, ça va être parfait pour mon bro. Je veux juste il brome là. C'est pas mal ça, méditation. Supprime deux effets néfastes sur soi. Octroie un effet d'impulsion pour chaque effet néfaste purgé. Impulsion 5. 5 impulsions, ça veut dire que je vais pouvoir en fait directement claquer ça gratuitement? Non. Deux points de dégâts, ah, c'est pas mal quand même. Ça permet à Yesu de tanker quoi. Voilà de quoi il est un peu blôme. Brome niveau suivant, même pas. Presque. Il y a un shop à gauche ici, en plus de pouvoir rentrer. Enfin, je pense qu'on va s'arrêter là, ou alors je vais faire une petite pause, je vais aller chercher un petit truc à Gorille. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais faire un petit tour voir la marchandise. Voir ce qu'on peut faire. Sabre vicié, c'est celui que je possède déjà.
Ce que je sais, c'est que je vais rester là pour ce soir. Oh, la marchandise, attendez. Canne à pêche d'acier, celle que je possède. Le verre goûteux, c'est celui que j'ai. Augmente l'XP. C'est pas mal ça. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reposer. On va voir si on a une conversation. Ok, non, je l'ai déjà eu. J'ai toutes les différentes conversations. Se reposer. On va sauvegarder là et on va quitter pour ce soir parce que du coup, il faut que j'y aille. Hop là. Enfin 7h6, ce qui fait à peu près 7h35, un truc comme ça. C'est pas mal. Très bon show en tout cas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, du coup live là pour ce soir. Donc, sur ce, à plus.